Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket. Nouvelle vidéo et première vidéo parce qu'après, enfin, on va dire 7 heures de maintenance, le jeu est jouable. On va les tester, on va aller voir ça ensemble parce que du coup, il y avait déjà eu des trailers, des teasers de la part de Pokémon. Ok, attends, c'est maintenant que je vais choisir ce que je... Je sais pas du tout comment ça se passe, je vais pas vous mentir. J'ai vu à peu près comme tout le monde, hein, les vidéos, du gameplay, des cartes, de ce qu'on pouvait faire. Il y a des cartes qui sont magnifiques, il y a un petit effet 3D sur certaines. Et on va voir du coup si ça vaut le coup, parce qu'il y a un peu des gens qui... Je vous ai fait une vidéo hier sur comment télécharger le jeu. Il y a un peu des gens qui avaient la flemme de changer le store, mettre un VPN ou quoi. Bon, ça prend 2-3 minutes. Et ça va vous permettre surtout de jouer au jeu un mois en avance, parce que là du coup il est sorti le 26 septembre. Mais du coup officiellement, le jeu sort le 30 octobre. Donc ça vaut je pense le coup. Un mois à l'avance, de s'embêter 2-3 minutes à mettre le VPN et tout pour jouer au jeu. Alors bienvenue. Alors le jeu n'est pas encore en français d'ailleurs, parce que j'ai remis mon téléphone en français pour y jouer. Hop. Mais le jeu n'est pas disponible pour le moment en français. Après, est-ce que vous avez besoin de français pour juste ouvrir des paquets de cartes? C'est là. Ah, je peux sélectionner mon icône de joueur? C'est Giovanni? Allez, je vais prendre Giovanni, moi. Moi je suis un méchant, hein. Ou Ronflex. Ronflex, non, Giovanni, c'est bien. Et je connais pas le nom de la nana, je suis désolé. Désolé, désolé. C'est toi? Oui, c'est moi. Yes. Peu de choses près que je m'appelle pas Giovanni, mais bon. You can open a booster pack. Bah, nickel. Ah, c'est là que je dois choisir. Alors, je choisis entre Mewtwo, Dracaufeu et Pikachu. Je vais prendre Dracaufeu, hein. En vrai, je vais prendre Dracaufeu. Je vais dire celui-là. Je crois qu'on en a deux à ouvrir. Donc on pourra voir si on a des trucs de dingue. Et comme ça, vous pourrez voir aussi si c'est scripté et si tout le monde a le même au départ. Ah, faut que je coupe. Oh, ils ont copié TCG, car je cherche bien temps. Alors, ok. Et la carte, elle est belle, hein. Et je trouve que les cartes sont belles, hein. Alors comment je sais s'il y a un... Il y a un truc qui brille derrière. Ok. Je dois faire quoi, là? Ah, juste, je clique dessus. Il sert à quoi, le petit losange en bas? Oh, c'est le design de Miaouss de... à l'ancienne, non? Ok. Ah, les communs, c'est un triangle. Les uncommon, c'est 2. Et les rares, ça va être 3, c'est ça? Ah, génial. Je veux autre chose qu'excellent, quoi, mais tranquille. D'accord. D'accord. Bah, le premier pack est pas ouf. Ouais. Ok, donc on vient d'avoir 5 cartes. Alors ça se passe comment? Swipe up on the card. Alors swipe sur la carte pour l'enregistrer dans l'index des cartes, dans le catalogue, dans le bouquin, dans le... Je sais pas comment ils vont l'appeler ça en français. Attends, ça m'a enregistré 5 cartes. Il y en a 226 en tout? Ça me paraît pas beaucoup. Allons voir les cartes que t'as enregistrées dans ton index. Vas-y, on va les voir. Ah si, il y a un petit effet 3D sur celle-là. Ouais, mais excuse-moi, là je le fais une fois quand je débloque la carte, mais je vais pas venir tous les jours ici être en mode ouah, j'ai pas vu hier en fait, il y a une petite feuille sur le déco là. Mais attends, quoi? Ouais, next. Je vais faire ça avec toutes les cartes ou... Parce qu'il y a que celle-là qui a un effet, non? Alors, on est dans le menu. Mission. Ah, il y a des quêtes quotidiennes à faire. Tap on the mission you want to claim a reward. D'accord. Ok. Ah, mais ça, c'est l'émission générale, c'est pas l'émission quotidienne. Tu peux ouvrir un pack une fois que ta stamina, ton énergie se recharge et complète. On dirait que tu vas pouvoir ouvrir un pack si t'attends un peu plus. Ton truc de stamina, c'est recharger, essaye d'ouvrir un pack, vas-y. Attends, je dois choisir? Notification, ouais, j'ai déjà mis les notifications. Attends, mais si je pas Mewtwo? J'ai pas le choix. Je peux tous les ouvrir? J'imagine que je peux en ouvrir qu'un, non? Bon, attendez, on va tourner et je m'arrête. Et bah, je me suis arrêté en plein milieu entre deux packs. Ok, c'est celui-là, c'est le destin. C'est le destin. Je sais pas, en vrai, je sais pas qui c'est comme Pokémon de disponible. Comme carte. Ok. Ok. Ok, oh, il est trop mignon.
Ouais. Non mais c'est pas ouf. En vrai. Attends, mais c'est les mêmes effets que l'autre carte, sauf que au lieu que ça soit des feuilles, là c'est des cailloux. Mais vas-y, on prend. Hein. Pour autre chose que ça tue, en vrai ça m'irait. Mais tranquille. Attendez, le Hostia et le Ossature, on a la famille? Est-ce que ça fait un truc genre dans la collection quand t'as la famille? C'est pas besoin de cartes? Ouais, vas-y, on va les enregistrer. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc d'index, un peu comme il y a sur certains gachas où en mode quand t'as des personnages à la même famille, tu peux avoir des bonus ou un pack gratuit, je sais pas, une display. Peut-être le jeu est généreux, non? Ah, donc là, c'est dans 12 heures? Attends, mais dans 12 heures, je dorme en fait. New feature has been unlocked. Wonder Peak. Oh, je suis passé niveau 2. Tu as eu de l'XP de joueur en ouvrant des packs, du coup tu as gagné un niveau. Tu viens de débloquer le Wonder Peak. Ah, c'est le truc quand il y a des gens qui ouvrent des cartes, t'en récupères aussi. Le résultat des packs ouverts par les autres joueurs apparaît ici. Attends, le Salamèche, il était dingue, non? C'était un Salamèche? Tu peux avoir une des cartes d'un pack qui a été ouvert par un autre joueur. Ah, je croyais que c'était les gens que t'avais en ami. Un peu comme sur Pokémon Sleep, si vous jouez à Pokémon Sleep, genre quand des personnes font dodo, bah, ils peuvent vous envoyer des bonbons de Pokémon qu'ils ont eu pendant la nuit. Je pensais que c'était un peu comme ça, mais non, du coup. Non, non, non. C'est mis à jour à un intervalle régulier. Les packs ouverts par les amis peuvent aussi apparaître là-dedans. Ah, donc il y a les deux. Il y a les randoms et les packs des amis, ok. Ah, il y a aussi de l'énergie pour ça? Qui se régénère avec le temps, tu peux réduire le temps en utilisant certains items. Ah, va y avoir du pay to win, hein. Il y a aussi certains trucs de. Il y a aussi certaines espèces de Wonder Peak qui peuvent apparaître, comme les Peak bonus. Chansey Peak? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Attends, Chansey, c'est pas. C'est quel Pokémon déjà en français? Oh, j'ai un trou de mémoire. Vas-y, on va skip, on va skip, on va skip, sinon on va pas se sortir. Peak Remaining. Oh, le Fenrir, il est pas mal, hein. Le Fenrir est pas mal. Eh, mais il y a même le Tignon première édition, mais il n'y a pas les. Ah ouais, ils ont juste gardé le dessin, et encore le dessin, le fond est pas vraiment le même, je crois. C'est Clefairy, Chansey en anglais? Je sais plus, j'ai un doute. Ah, ça se mélange. Ouais, mais j'aurais bien cliqué en bas à droite pour avoir le Salamèche Full Art, mais je vais cliquer en haut au milieu. Non, mais en vrai, peut-être que là, le jeu est scripté et tout le monde a le même. Mais elle est bien jolie. Hein. Elle est bien jolie. Je suis pas fan de la bordure, mais elle est bien jolie. On a eu 11 cartes au total, ok. Je dois swiper la carte pour l'ajouter à mon index. Mais en vrai, 226K. Bon, évidemment, il y aura des cartes plus rares que d'autres. Mais ça va vite se finir, non? Surtout que j'imagine il y aura des moyens de pay to win et tout. Et du coup, il y a peut-être des gens qui vont torcher ça. C'est la fin du tutoriel. Ouais, donc je pense que là, on aura tous et toutes les mêmes cartes. Jusque-là. Débloque. Allez, hop. Même moi, j'ai commencé à traduire. Et je me suis embrouillé tout seul. Attends, on peut ouvrir des packs? Oh la dinguerie, eh, on est déjà 4 packs et ils sont généreux, hein, Pokémon. Hein. Ça a changé. Hein. Donc là, je peux ouvrir un truc. Non, j'ai recliqué sur le Mewtwo. Non, je voulais pas cliquer sur le Mewtwo. Que du Dracaufeu. Que du Dracaufeu. Je sais pas si les illustrations des packs changent quelque chose ou pas. Ok, vas-y, je tourne et je m'arrête quand j'en ai envie. Genre vraiment au hasard là-dessus, voilà. Celui-là, c'est le destin. Est-ce que si je. Mais non, mais je vous jure que la ligne elle penche alors que je ne penche pas. Je vous jure que j'essaie de remonter. Mais ça ne marche pas. Ok, Ponyta. Est-ce qu'on peut avoir des. Quoi? C'est quelle gêne ça? Et j'ai jamais vu. Jamais vu. Ok, on a eu. T'as pas un hit garanti par pack du coup? Ah, c'était vraiment pour le tutoriel, quoi, que t'avais des ex et des trucs assez sympas, quoi. Wouah, t'as collecté 16 cartes. Pourquoi on a un Dracolos?
swipe up, vas-y, je vais swipe up, génial. Putain, les gars, on swipe up alors qu'Inoxtag, il nous avait dit d'arrêter de swipe et tout. C'est pas la mentalité Kaizen dans le jeu, hein. Ok, par contre, on a enregistré... Pourquoi je suis à 15? Mais j'ai déjà eu un doublon! Attends, on va voir autre chose. Mewtwo, hop. Non, 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 Pikachu, code créateur Valouz, les gars, on va avoir un truc de fou. Open. Open, open. Si là, j'ai pas une dinguerie... J'ai pas désinstallé le jeu, parce que déjà que j'ai dû attendre 7 heures pour y jouer. Mais ok, faut que j'arrive à couper droit. Oh, c'est... Non, je vous jure, c'était presque droit. Ok. 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 Oh, génial. Génial, génial. Une ex, cool. Cool, cool, cool. Par contre, attends, je peux recliquer dessus pour voir les effets ou pas? Avec les petites notes de musique et tout. Ouais, j'aime bien. C'est vrai que le jeu est joli quand même. Comparé au, je trouve, au, bah, aux deux TCG précédents, parce qu'ils en avaient fait deux. C'est quand même vachement plus joli, je trouve. Même l'interface et tout. Ça me paraît plus fluide, ça me paraît plus un peu plus moderne, en fait. Que ce qu'on avait avant, ça fait vraiment très vieillot. Attends, mais je peux continuer à ouvrir des packs, là, ou... si jamais t'as plus d'énergie, tu peux pas ouvrir de packs jusqu'à ce que ton énergie soit, soit remise à plein, quoi, en fait. Mais du coup, il y a un item qui est le sablier qui peut me permettre d'avancer ça. Open pack. Bon, écoutez, j'ai la flemme de traduire à chaque fois. Et parce qu'en fait, je lis en anglais et je la traduire et vous le dire en français. Et et en fait, je m'embrouille. Je m'embrouille en le faisant. En plus, en vidéo et tout. Donc, au pire, vous savez quoi, je skip. Et si vous comprenez pas l'anglais, mais apprenez l'anglais. Voilà. Et si vous comprenez l'anglais, tant mieux. Ok. 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 Ça, c'était la dernière carte, je crois. Ouais, voilà, génial. Ah, le pack était pas. Quoique le hardbox il était pas mal, mais vas-y, quoi. Allez, on va dégager. Dégager, dégager. Je suis à 26 cartes. Ok. Je sais pas à quel moment on va débloquer les combats. Et comment ça se passe? Est-ce que là j'ai assez de cartes pour combat? Parce que j'ai pas eu. Il n'y a pas d'énergie. On a eu juste une dresseur, je crois. Peut-être deux. Non, on a eu le truc ambre, la perle ambre, je sais pas quoi là. Résultat with Poké Gold. Attends, mais. Touch up. Ça coûte combien? Genre, si là je vais ouvrir 10 packs, il me faut 59 trucs et 59 gold, ça coûte combien? Ça coûte genre 11-12 balles. Ok. Ok, ok. Eh, il y a un premium pass? On sait pas, il a combien? Ah, tu peux ouvrir un pack de plus toutes les 24 heures? Et t'as des quêtes premium. Oh, la Pikachu, elle est stylée, hein. T'auras une promo card et d'autres items. Ah, il y a un battle. Mais je m'attendais pas, c'est un battle pass dans le jeu. First 2 weeks at no cost. Alors ça... si c'est un peu comme Pokémon Sleep, mais comme je vous dis, le jeu vient de sortir, donc je sais pas trop ce qui va en être. Ce que je vous conseille, c'est, si c'est la même chose, c'est de le prendre à la fin du mois, pour que s'il y a des resets, etc. dans le jeu, même des events, de le prendre entre un event qui va finir et un event qui va commencer, parce qu'il y a peut-être des bonus comme ça. Sur Pokémon Sleep, c'est comme ça. Voilà, donc pas étonné que là, ça soit pareil. Donc faites bien gaffe à quand vous le prenez. Alors attends, là c'est mon index. Toutes les cartes que tu as apparaissent ici. Tu peux cliquer sur une carte pour l'agrandir et voir ces informations en détail. Allez, ok. Vas-y, prends ce que ça prend pour un con quand même. Ok. Ok. Vas-y, ok, 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 ok. C'est bon là, je peux enfin regarder mes cartes ou pas? Ah, ils ont pas tous le même dos? Genre si je prends celle-là? Vas-y, ils ont tous le même dos. Et pourquoi je peux la retourner? Il n'y a pas... Il n'y a pas PSA qui va venir noter la carte là. Ils sont tous le même dos, d'accord. Ah, c'était vieille ambre la carte dresseur qu'on a eu. L'écran d'accueil. C'est bizarre d'avoir l'écran d'accueil qui est tout à gauche. J'ai quoi là en haut? Display box, je dirais. Ok, ouais, j'ai rien de débloqué quoi. Ça c'est mon profil. Oui, je suis un nudiste, hein, y a rien sur mon profil. Hein. Ouais, donc ça c'est toujours le truc de passe. Est-ce qu'ils ont envoyé... Eh, le jeu vient de sortir, j'espère qu'ils ont envoyé des trucs gratos, non?
Ils ont rien envoyé de gratos, hein, ça me dégoûte. Hein. New release. Attends, comment ça en 2023, le 31 décembre 2023? Fou de nous ou quoi là? Attends, le truc de cadeau, il y a peut-être un truc. Bon, il y a rien dans les cadeaux, vraiment des rats. Hein. Alors. Ouais, je pense, je vais faire tous les menus. Hein. Je vais vraiment faire tous les menus. Hein. Complète inventory, item 7. Vas-y, clique dessus. Attends, mais je peux avoir plusieurs items. Pourquoi j'ai eu la boîte de merde là au début là? Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Alors, j'ai un ticket. C'est quoi le pack Hourglass? Ah, ça c'est pour avoir de la stamina. Et ça c'est pour avoir le truc où je peux choisir une. Ah, mais en fait. C'est naze ça, parce que je choisis pas la carte que j'ai dans les boosters des gens. Genetic Apex. Cover for blinders that can be used when using the binder features. Ok. Je peux acheter des cartes, il y a des cartes items également. Je sais pas, c'est quoi? C'est des jetons pour jouer ça? Jamais j'ai vraiment joué au TCG, je vais pas vous mentir. Ah, t'as des dos de cartes. Ah, c'est pour ça qu'on peut voir le dos de la carte d'accord. Card. Ah, donc là, je suis obligé d'avoir le. Attends, mais ça, tu récupères comment? By doing premium mission, you should exchange. Ah, tu fais tes quêtes et t'en as là-dedans, d'accord. Il y a des Pokégold. Attends, mais j'ai un point où j'ai écrit no items available. Mais vous foutez de ma gueule là, non? Ah ouais, c'est. Le jeu, c'est des rats. Si tu veux des trucs en plus, bah tu prends le premium pass, hein. Ah ouais, c'est un peu des. Ouais, ouais. Tu peux des rats là. On a fait des quêtes quotidiennes. J'ai validé tout. Je peux ouvrir un pack là non? Attends, 4. Me dis pas que c'est 4 heures. Et dis-moi que c'est plutôt 4. Si c'est 4 heures. Parce que là il y a 24. D'accord. Donc juste ça va me réduire de 4 heures mon truc. Ok. Ok, ok. Theme collection, first choice. Eh, hey, mais si, il y a bien un truc de collection d'index. Hein. Ok, cool. Daily, Dex, Dex, Premium. Attends, c'est quoi les quêtes? Collecter 11 cartes, plantes, feu, eau, éclair, psy, combat. Collecter combien de cartes? D'accord, ouvrir des packs, ok. Ok. Ah, tu peux... Il y a des decks également. Comment je fais pour les récupérer? Deck mission, il faut être niveau 3. Parce que là, du coup... Ah, ça va juste me réduire de 4 heures. Par contre, réduire de 4 heures, c'est bien, puisque dans 12 heures, bah, je serai en train de dormir. Mais tranquille. Alors, est-ce que... Ah, c'est niveau 3 pour combattre. Ok. Donc là, pour l'instant, je peux juste... Je peux rien faire, en fait. Popular Showcase. Ah ouais, parce que j'imagine, il y a déjà des gens qui ont mis de la thune dedans, non? Alors, en flex, elle est stylée. Hein. J'aime bien. Wesh, comment t'as eu les... Oh, quoi? Ok. Oh, Bulle Bizarre est trop mignonne. Oh, je trouve un Dracolos en vrai. Sango, elle est pas mal aussi. Hein. Oh, le low class. Ah non, j'aime pas en fait. J'aimais bien de loin la low class, mais c'est vrai qu'en cliquant dessus, j'aime pas du tout. Ouais, pas mal. Attends, mais Todo... Attends, mais je peux l'ajouter en ami? Oui. Oh, l'articodin. Ok. Ok, ok. Attends, mais je peux ajouter des gens en ami, là? Je peux lui mettre un like? Je peux pas l'ajouter en ami? Tu veux pas être mon ami? Ah si, je peux ajouter en ami. Mais nickel. Ok. Attends, mais il a une carte hors, lui? Mais gars, genre, ok, elle est jolie, mais laisse de la chance aux autres, non? Après, je pense pas que c'est une histoire de chance, je pense juste une histoire de t'as mis ta CB dans le jeu, quoi. On essaie de prendre pour un con, mais tranquille. Oui, je sais quoi la carte, là? Ok. Ok, la carte et le 4 sont vachement stylés, hein. Attends, 2 secondes. Ouais, je préfère l'articodin. Ouais, trop stylé. Ok, il y a quand même des belles cartes dans le jeu. C'est vrai que ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de cartes pour l'instant dans le jeu, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal. Bah écoutez, on va cesser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu.
J'espère que le jeu vous plaît. Donc, bah, en fait, pour répondre à la question de est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à prendre 2-3 minutes à se mettre le VPN, à rentrer son adresse mail et tout ça, à changer le pays et tout, je pense que ça vaut le coup. Parce que bah, tu vas toutes les 12 heures, du coup, tu peux récupérer des packs, mais il y a aussi le truc des quêtes quotidiennes, il y a l'XP, tout ça qui va jouer. Et bah, ça te permet de l'avoir un peu avant tout le monde. Donc, je trouve que personnellement, ça vaut le coup, surtout que un mois en avance, c'est énorme. En termes d'avancer sur un jeu mobile, même si, comme c'est une pré-release, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'événements, de choses comme ça et tout sur le jeu. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le jeu vous plaît. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien, à la prochaine, salut, bye bye!